Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on réagit à vos transformations les plus incroyables. J'ai demandé de m'envoyer sur Instagram vos transformations et j'ai vu une transformation de fou. D'ailleurs, c'est sur Instagram que tout se passe, donc n'hésitez pas à me follow MikeRAFG. C'est parti, on commence pour la première transformation et on commence avec Margot qui cette fois-ci a commencé le sport parce qu'elle se sentait trop grosse. Elle est malheureusement tombée dans une phase de bigorexie où elle faisait énormément de sport et elle mangeait rien du tout. Forcément, le corps il suit pas derrière, ça peut être très dangereux. Donc faites attention à ça les gars, quand vous faites du sport, mangez bien à côté. Hydratez-vous, c'est ultra important. Elle a même eu des phases dépressives, des chutes de cheveux, etc. Elle était vraiment en mauvaise santé. Donc elle a décidé de se reprendre en main. J'ai réappris à mieux manger et prendre soin de ma santé. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je suis inscrite à la salle. Ça m'a sauvé la vie. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Et je fais des études en lien avec le sport. Donc STAPS. Alors t'as pas commencé avec la pire des bases non plus. Mais faut voir le résultat qui est vraiment incroyable. Pour l'échange, tu me donnes du dos. Les trapèzes, j'en ai bien besoin. Non mais incroyable, même les épaules, je suis preneur. Et on enchaîne avec Emmanuel sur la première photo. Il faisait 65 kilos. Il a commencé plutôt maigre. Et sur la dernière photo, il fait 80 kilos pour 1m79. Le physique est juste magnifique. Tout est hyper bien proportionné. Honnêtement, incroyable frérot. Franchement, bravo. Et on continue avec Anthony qui lui a commencé parce qu'il se sentait trop maigre. Et j'ai l'impression que c'est le problème de beaucoup de personnes. Il est parti de 53 kilos pour 1m76 sur cette photo là. Et fait actuellement 76 kilos pour 1m76. Il a vraiment réussi à aboutir à un physique qui est super beau et je pense que tu peux pousser encore plus loin. T'as l'air d'avoir une bonne génétique, donc je pense que tu peux continuer à grappiller pour avoir vraiment un physique top. Mais là, incroyable, hein, super transformation, incroyable. Et on enchaîne avec une transformation incroyable, c'est celle de Alan qui est passé de obèse à quasiment sec. On lui voit les abdos en l'espace de 2 ans. C'est vrai que quand je vois les photos, c'est impressionnant. T'avais vraiment énormément de gras à sortir et t'as réussi à le sortir. Donc pour ça, je te tire mon chapeau que je n'ai pas, c'est incroyable. On continue vos transformations et ici on a Rémi qui a commencé à 81 kg pour 1m65. Donc il était pas en super forme, comme vous pouvez voir sur les photos. Il m'a même dit dans son message qu'il était victime de boulimie à ce moment-là, donc pas cool. Et un jour, il a eu ce déclic et il a voulu changer. Il a décidé de faire énormément de course à pied, trop de course à pied. C'est le problème d'énormément de personnes, c'est le problème de Margot, c'est aussi le problème de Rémi, d'en faire trop et de pas manger à côté pour perdre le gras, alors que c'est pas du tout la bonne méthode. Malheureusement, si t'as pas les informations nécessaires, tu peux vite faire n'importe quoi dans le sport. C'est pour ça que c'est important d'être bien encadré et de savoir où on va. Rémi a dit, je cite, « J'ai commencé à faire énormément de courses à pied, à ne plus manger, pour perdre du poids, et le résultat était là. Vu que la balance affichait toujours des chiffres inférieurs, jusqu'à atteindre 63 kg, j'avais l'impression que ça fonctionnait. J'ai donc poursuivi, et maintenant j'ai pour objectif d'être un bodybuilder naturel connu en France. » Allez tous donner de la force à Rémi, c'est quelqu'un qui fait du contenu sur les réseaux. J'aime bien le mood de ses vidéos où il documente absolument tout ce qu'il fait, donc ça c'est top, n'hésitez pas à aller le follow. On enchaîne avec Tom qui a 23 ans. Il a commencé à 93 kg pour 1m92 et actuellement il fait 76 kg pour 1m92, soit 17 kg de moins. On voit que le physique rend super bien. T'es pas très lourd mais le rendu esthétique rend super bien. T'es passé d'une base vraiment très très grasse, skinny fat, donc la pierre de génétique, à un physique écorché, les pecs striés, les épaules striées. Franchement, c'est incroyable. On a aussi la transformation de Yakuza qui est passé de 75-76 kg au début à 82 kg pour 1m80. La transformation, elle est incroyable. Surtout qu'au début, tu partais vraiment d'une mauvaise base aussi, skinny fat. Donc très compliqué pour construire du muscle. Franchement, c'est incroyable. On enchaîne avec moi, c'est Raph. Big up pour le nom. Salut Mike, je t'envoie ma transfo physique. Actuellement, j'ai 17 ans et j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 14 ans et demi dans mon garage avec un banc. 2 haltères plus le poids du corps. Ça me ressemble un petit peu, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis en salle depuis novembre 2023 et depuis le début je suis inspiré par Ken Fit, Jeff Sale et surtout toi. Ça fait 2 ans et demi que je m'entraîne en espérant atteindre un physique similaire au tien avec ma morphologie. C'est bien de le préciser. On voit, ouais ok, ouais. T'as vraiment une bonne génétique. Tu me fais vraiment penser à mon physique quand j'avais 16-17 ans avec vraiment des grosses épaules, des bons bras, des bons pecs. Incroyable, incroyable. Et continue comme ça, frérot, je pense que t'as pas mal de potentiel. Ne lâche pas. Et continue de faire les jambes parce que je vois qu'elles sont vraiment bien. Il y a moyen que tu me rattrapes et que tu sois le moi, c'est Raph. On enchaîne avec Sarah qui a 22 ans. Elle a commencé la musculation il y a 3 ans. Elle partait d'une base plutôt fine. Et là, elle a réussi à construire beaucoup, beaucoup de masse. Clairement, elle a explosé. Je sais pas combien de kilos elle a pris. Elle a commencé la musculation à 39 kilos pour 1m58. Et aujourd'hui, elle a 56 kilos. Elle a pris quasiment 20 kilos, c'est incroyable. C'est trop bien de voir les filles qui sont à fond dans le sport comme ça. On enchaîne avec Marian. Je m'appelle Marian, j'ai 21 ans et je fais 1m92. J'habite à La Ciotat. J'ai toujours fait du sport, cela à haut niveau. J'ai fini 3e au champion de France d'aviron à Mérennes en 2018. J'avais 16 ans à ce moment-là, donc je mets la photo juste ici. Malgré un physique vraiment claqué au sol, à environ 70 kilos, je tabassais tout le monde sur l'eau et sur le rameur. J'ai également fait du foot, du tennis, de l'athlétisme, du handball, de la course à pied et du vélo. Donc là, on est face à un sportif. Et il me confirmait. Il a réellement commencé la salle à 19 ans, en septembre 2022. Et actuellement, il pèse 98 kg pour 1m92. Et il a commencé à 84 kg pour 1m92.
la transformation incroyable, frérot. Ne lâche pas, continue. T'as vraiment une bonne condition, continue là-dedans, mais continue de faire des autres sports à côté, c'est toujours intéressant. Ici, on a Rodrigo qui est né au Portugal en 2007, et suite à un déménagement en France en 2015, il a pris énormément de poids. Donc là, on voit la photo de lui en 2017. À cette période, il était clairement gros. Il a subi des moqueries, du harcèlement, du cyberharcèlement au lycée. Arrivé en 2020, durant le confinement, je découvre un youtubeur qui va changer ma vie, Thibaut InShape. Je commence à faire ses vidéos entraînement d'abdos et j'ai eu le déclic. Je commence à courir et j'arrête même de manger pendant plusieurs jours. J'arrive à perdre plus de 30 kilos. C'est toujours le même problème. Malheureusement, les gens, ils sont pas informés. Courir énormément, avoir énormément de dépenses caloriques, mais ne pas manger à côté, c'est encore pire. Ne le faites pas. Vous allez juste être en mauvaise santé et c'est pas le but. Le but du sport, c'est justement d'être en bonne santé, d'être plus fort, plus endurant, plus musclé, mais pas l'inverse. J'espère qu'après cette vidéo, il y aura beaucoup moins de personnes qui iront courir et se dépenser énormément sans manger à côté, parce que c'est la pire des solutions. Rodrigo, t'as une super transformation physique. T'es passé de gros à skinny, et ensuite t'es passé de skinny à un physique musclé avec des belles épaules, des beaux bras, des beaux pecs, c'est incroyable. Grâce à des influenceurs comme Thibaut, moi c'est Mike et Zram, eux trois principalement, je garde toujours la motivation et je vous remercie. Force à toi frérot, merci à toi pour ton message et transformation incroyable, ne lâche surtout pas. On enchaîne avec Ares qui a commencé la musculation il y a 3 ans, il partait d'une base skinny et aujourd'hui il a fait des compétitions de bodybuilding et affiche un physique incroyable. Il était enfermé, jouait tous les jours à Fortnite et n'avait pas le goût pour le sport, donc il a décidé de prendre les devants. Et à l'heure actuelle, il affiche un physique incroyable. Il a habité tout seul au Maroc jusqu'à 18 ans et il a décidé de venir en France. Il est venu en France pile au moment du confinement, ce qui n'a pas du tout aidé. Durant 6 mois, il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir et c'est incroyable. On a aussi la transformation de Nicolas qui est passé de skinny à bulky belly. Franchement, là, frérot, les pecs et les bras, ils débordent. On enchaîne avec la transformation de Mylène qui est maman de 2 enfants. J'ai fait de la musculation depuis que j'ai 16 ans, ça va bientôt faire 10 ans, dont 9 ans à la maison. Je me suis construit dans mon home gym. Je me suis inscrit à la salle il y a environ 6 mois. Mes grossesses n'ont pas été faciles, j'ai dû arrêter le sport pour les deux. Voir mon corps changer, grossir, moi qui étais très basé sur mon physique, c'était pas une partie de plaisir. Et on peut voir la transformation qui est absolument incroyable. Actuellement, t'as le corps d'une fit girl de 21 ans. C'est absolument incroyable. Ça me choque comment les gens arrivent à transformer leur physique en partant de gras à ça. Je trouve ça incroyable. Moi, je suis parti d'une base skinny, donc se construire sur une base skinny, c'est être plus long. Je trouve ça moins impressionnant que quelqu'un qui est très gros et qui arrive à enlever tout ce gras pour construire du muscle derrière. Je trouve que c'est incroyable le fait de jouer comme ça avec sa génétique, avec ses plats et tout. Enfin, je trouve ça dingue. En tout cas, Mylène, super transformation, incroyable. On continue, on a la transformation de Johan qui a commencé à 17 ans à 1m89 pour 71 kg. Il a toujours pratiqué le basket, mais il a dû arrêter parce qu'on lui a diagnostiqué une malformation des rotules. Il a donc pris la dure décision d'arrêter le basket et de se mettre à la musculation. À l'heure actuelle, il fait 1m91 pour 94 kg et il affiche un physique absolument incroyable. Les épaules gonflées comme ça, là, faut me donner le secret parce que moi, j'y arrive pas. Je pense que le secret, c'est les clavicules longues. Incroyable, frérot. On enchaîne avec la transformation de Seb qui a commencé la salle à 17 ans et qui est passé d'un physique skinny fat à un physique clairement incroyable. Des épaules énormes, des bras énormes, des pecs énormes. On commence même à avoir les abdos correctement. Donc ça, c'est incroyable. Félicitations, frérot, et lâche surtout pas. Je pense que je me rendais pas compte qu'il y a autant de monde qui me suivent et qui ont des transformations comme ça. J'ai l'impression que tout le monde qui me suit a des transformations de ouf. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et si vous avez besoin de vous transformer, il y a mes programmes qui sont disponibles. Starter V2 et Elite V2, donc pour les débutants et les avancés. Mais il y a aussi un challenge sur 90 jours avec la communauté Prime Physique. J'en ai déjà parlé sur Instagram et dans d'autres vidéos. Il y a l'entraînement, il y a la nutrition, il y a une communauté où on peut parler tous ensemble. En bref, t'as tous les outils pour te transformer. La vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Ajoute-moi sur Instagram, comme ça quand il y a d'autres vidéos de ce type, tu seras au courant. Et sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao, ciao.